Horoscope Balance du 24 juillet 2023. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour, sous l'aile de la planète Mercure, en bonne position dans votre ciel, les amours conjugales seront bonnes. Toutefois, elles accuseront un caractère plus intellectuel que d'habitude. Vous aimerez vous lancer dans de longues discussions. Et si votre partenaire est à votre niveau, alors vous nagerez vraiment dans le bonheur. Célibataire, cet aspect de Vénus vous inspirera et amplifiera vos passions. Chez vous, même une timide attraction naissante pourra devenir vite une grande flamme. Vos instincts risquent de vous submerger. Ne les laissez pas vous dominer complètement. Horoscope Argent. Si vous continuez à gérer sagement votre budget, vous parviendrez sans trop de peine à mettre de côté quelques économies, que vous pourrez bientôt dépenser pour vous faire plaisir. Horoscope Santé. Pensez à dormir suffisamment. Voilà le conseil que vous donnera Saturne, le sage du zodiaque. Le sommeil est capital pour le bon fonctionnement de notre organisme. Le meilleur moyen d'avoir un sommeil profitable consiste à se coucher et à se lever à des heures régulières, de préférence avant minuit, car c'est là que l'on récupère le mieux, le temps de sommeil lui-même variant selon les individus. Horoscope Travail. Bonne perspective professionnelle grâce au bel aspect de Mercure. Bien inspiré, vous prendrez des décisions judicieuses, qui vous feront avancer d'un grand pas dans votre carrière. On vous appréciera. Horoscope Famille. Vous serez décidé à accorder la priorité à votre vie familiale. Vous vous consacrerez essentiellement aux êtres que vous aimez, en ne ménageant pas vos efforts pour entretenir un climat tendre et chaleureux. Et puis, vous vous attacherez à tout ce qui peut améliorer votre confort et votre bien-être. Quel beau programme. Horoscope Vie sociale. Relations difficiles avec vos amis, dans le domaine des idées surtout. Ne vous confiez pas à eux sur des questions délicates. Ils manqueraient de discrétion et de tact, surtout s'ils sont étrangers ou vivent à l'étranger. Vous aurez avantage à suivre ce conseil d'Apollonio de Tyane, Esperluetcote. Ayez beaucoup d'amis et peu de confidents, Esperluetcote.